famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends aujourd'hui, demain c'est l'anniversaire de ma fille. Elle va faire une soirée pyjama. Voilà, je vais organiser ça dans sa chambre. J'ai ce moment avec vous. Là, j'avais déjà commencé, je viens de faire la peinture. J'avais fait la peinture il y a 2 jours. J'avais fait cette partie, parce que je mets la couleur rose, un peu pâle dans leur chambre. Et il me restait cette partie à faire que j'ai fait. Après tout ce que j'ai fait, il y a beaucoup de choses que j'ai customisées que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Je vais juste prendre tout ce qui est dans sa chambre. Les lits, même les lits, je vais démonter son lit. Voilà, leur lit. Beaucoup de choses à faire. Force à moi. Et ce soir, je peux commencer à faire la décoration petit à petit. Je vais utiliser les tentes. Je vais voir si je peux vous montrer vite fait tout ce que je prie. À Action, je commande des trucs chez Shein, je prie des choses à Action, je fais la brocante, voilà, je prie vraiment des choses par-ci par-là pour organiser sa fête d'anniversaire. Voilà. C'est parti la famille pour une voix off. Comme d'hab, je vais faire une voix off, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais organiser l'anniversaire de ma fille. Elle avait voulu faire une soirée pyjama avec ses copines de l'école. Voilà, et quelques copines aussi de la famille. Et je vais commencer par débarrasser. Je vais commencer par démonter les lits. Malheureusement, je ne vais pas filmer. Quand j'ai démonté les lits, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais démonter les lits. Je vais faire sortir la majorité, je dirais presque tout dans sa chambre. Presque tout la famille. Et comme je dis toujours, des boîtes de rangement, ça sauve la vie. C'est des boîtes que je range tout ce qui est dans la chambre des enfants, des jouets, tout ça, des chaussures. Et ce que je vais faire, je vais prendre des décorations qui n'étaient pas dans la boîte. Je vais tout mettre dans ces boîtes. Comme ça me facilitera au moment du rangement, des réorganisations de leur chambre. Je n'aurai pas à chercher où est-ce que j'avais mis des affaires. Toutes les boîtes, les lits, j'avais mis dans ma chambre. Je vous dis, le jour-là, dans ma chambre, il y avait vraiment du bazar, tellement du bazar. Mais je suis tellement fière de moi. Comme d'habitude, comme toujours, la famille, quand j'organise l'anniversaire de mes filles, il y a toujours mon fils qui rentre avant à la maison. Je suis tellement contente. C'était le vendredi. Voilà, j'ai commencé à faire ma décoration le vendredi. Je démontais les lits avec mon fils. Là, il est en train de passer l'aspirateur. Même le bureau, donc j'avais tout fait sortir. Le bureau, j'avais mis dans sa chambre. Les matelas aussi, j'avais mis dans la chambre de mon garçon. Je vais aspirer avec cet aspirateur. Je vous ai déjà partagé, je vous mettrai les liens. Ça aspire tellement bon. Pour la soirée pyjama, j'ai utilisé le matelas gonflable, les tentes, le... Ah, non. La famille, j'ai beaucoup dépensé, mais je suis tellement fière de moi. Et en passant, si vous voulez organiser une soirée pyjama pour votre fille, tout ce que j'ai utilisé, toutes les décorations que j'ai utilisées, j'en ai à la maison. Je continue à vous en parler parce que c'est vraiment un projet qui me tient en cœur. Là, je suis déjà décoratrice événementielle, intérieure. Si vous voulez faire du rangement dans votre maison, n'hésitez pas à me contacter. Je serai là pour vous servir. On va juste gonfler les matelas. J'ai acheté les matelas in place chez Action. Voilà, et je dis que j'avais beaucoup bricolé, je vais juste faire ces DIY. J'ai écrit juste pyjama party Ernestine, voilà. Voilà, ça sera vraiment vite fait, je vais beaucoup passer du temps pour vous montrer la décoration. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer la réalisation de ma décoration. Peut-être ça va vous inspirer, pourquoi pas. Peut-être que vous pouvez me contacter. Voilà, au final, ça donne à ça la chambre. Contemplez ça, je vous laisse regarder. Après, je vais continuer à parler, la famille. Je vous laisse le temps de regarder et juste après, je vous donnerai tous les détails par rapport aux décorations si vous voulez acheter. Voilà, pourquoi pas. Mais si vous ne voulez pas acheter, vous pouvez juste me contacter. Je vous laisse regarder d'abord les images finales. Baby, you give me eyes.
Voilà la famille, regardez-moi ces coins. Tout ce qui est sucreries, les bonbons, les sucettes, des grignotages, la famille. Voilà, les chocolats, j'ai mis dans cette étagère que j'avais pris dans une brocante. C'était à la base couleur grise. J'ai juste peint avec la peinture que j'ai mis de l'autre côté, de là où j'ai mis les décorations rose pâle. Voilà. Le matelas, je vous ai dit, j'avais pris chez Action. Les tentes, j'avais pris à Jiffy. J'avais pris aussi dans une brocante. Le flair que je mets sur les tentes, c'est des flairs que j'ai à la maison, comme je vous ai dit. Permettez-moi vraiment aujourd'hui de vous présenter les services que je réalise, la famille. Je prends le temps pour faire des vidéos, des collaborations. Là, je vais vous présenter vraiment mes réalisations si vous voulez me contacter. Voilà, comme je vous avais dit, les armoires, je ne pouvais pas faire sortir. Il faut avoir toujours la créativité et je juste créer cet espace décoration pour me permettre de camoufler un peu les armoires de mes filles et les DIY que j'avais fait. Je crée pyjama party Ernestine que j'aime beaucoup aussi et ces coins des buffets, c'est le meuble que je mets, les boîtes de rangement de mes filles que j'ai mis pour utiliser ça comme coin buffet que j'aime aussi beaucoup. Regardez-moi cette décoration, regardez-moi ça la famille. Les ballons d'air, j'avais pris à Action, j'avais pris aussi à Shein. Le chiffre 10, j'avais pris à Shein aussi. Le girl qui est tout en haut, j'avais pris aussi à Shein. Voilà, je voulais juste le rose. Regardez-moi ces côtés que j'ai camouflé les armoires. Il faut avoir de la créativité, c'est très important. Les cerceaux que j'ai attachés, les ballons, j'avais pris aussi à Shein. Regardez-moi la famille, regardez-moi ça. Je mis des plateaux juste devant. Le plateau, c'était en bois. C'est des plateaux en bois que j'avais à la maison. J'ai rajouté deux de ces plateaux aussi. Et que j'avais juste mis la peinture blanche pour mettre tout ce qui est les tenues pyjamas, les fils, les maquillages. Franchement, ils avaient vraiment pris le temps de faire des maquillages. J'avais pris des masques sur le plateau que vous voyez. J'ai mis des masques, j'ai mis une bouteille d'eau. Sur les côtés, il y avait des cadeaux pour ses copines. Voilà. Et c'était juste un moment inoubliable pour ma fille, la famille. J'aime tellement me donner, je me donne toujours la peine de réaliser des choses un peu spéciales pour mes enfants. C'est vrai que j'ai la chance, comme j'ai deux corps, je dirais j'ai beaucoup dépensé, mais au final, ça me revient moins cher. Et surtout que je suis moins chère, je vous laisse juste regarder ces moments, voilà. Ils avaient mis leurs pyjamas, les pyjamas de filles aussi, j'avais pris à Shine, voilà, Shein. C'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire à ma cousine. C'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire à ma voisine. C'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire à ma copine. C'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. C'est mon anniversaire. Ah hey Sors tous les trucs,
ça c'est pour dormir, ben ça vous savez. Ouais, et après ça c'est ça pour manger, ça c'est pour boire, et ça c'est la nourriture. Ouais, maman, mais c'est quoi ça la vanne au bac là? C'est du jus. Jus. Oui, mais ça c'est du ice tea. Happy birthday. C'est bien joli. Ouais, pardon. T'es contente, mademoiselle? Tu dis quoi? Merci papa et maman. Et merci à aux invités d'être venus. Moi, c'est moi, je vais mettre le masque. Elle a fait de grâce. Nous, elle a fait de grâce. Et chez mamie? Pas trop. Mais ça, il y en a personne qui va aller chercher au salon. Oui, il y en a des autres au salon. Il m'en manque un seul. Moi, je vais aller chercher. Ah oui. Voilà la famille, je sais, c'est pas une longue vidéo, mais une petite vidéo, ça fait toujours l'affaire, C'est comme ça, ils ont pris le moment de danser, ils étaient venus encore au salon pour danser, s'amuser, ils avaient vraiment passé des bons moments, les enfants. Je vous dirai, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Partagez la vidéo, likez la vidéo, commentez, ça me fera plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et surtout, faites plaisir à vos enfants. Stella, elle est là pour vous servir. À la prochaine. Bye bye.